Bonjour, dans quelques jours, j'animerai un webinaire organisé par ICF Synergie sur le thème de la reconnaissance. Alors, j'ai choisi ce lieu merveilleux que vous voyez ici. Il s'agit du lac Léman en Suisse et moi j'habite juste à côté. Je viens me promener, je viens pour marcher, je viens pour réfléchir en règle générale et je me suis dit que c'était un lieu idéal pour introduire ce sujet. Aujourd'hui, votre avis est important pour moi parce que il va me permettre de préparer au mieux le webinaire. Alors, j'ai trois questions de réflexion. La première question, c'est quelle est la définition de la reconnaissance selon vous? Alors, bien sûr, moi, j'ai une définition. Elle est à plusieurs tiroirs, mais ça nous permettra ensemble de faire cette découverte lorsque j'ouvrirai mes tiroirs. Deuxième question, quels sont les impacts positifs de la reconnaissance, mais aussi quels sont les impacts négatifs du manque de reconnaissance. C'est essentiel parce que ça permet de mettre en place des mesures et pour être bien avec soi, mais aussi avec les autres. Troisième question, vous en tant que coach, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en coachant un client sur son besoin de reconnaissance? Voilà les trois questions, je les répète. Première question, quelle est la définition de la reconnaissance? Deuxième question, quels sont les impacts positifs de la reconnaissance et les impacts négatifs de ce manque de reconnaissance? Et troisième question, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en coachant un client sur son manque de reconnaissance ou son besoin de reconnaissance? Voilà, le tour est joué. Maintenant, il me reste plus qu'à vous dire, s'il vous plaît, répondez en bas les commentaires et les réponses que vous avez sur ces différents points. Je vous remercie énormément, ça va vraiment m'aider pour ce webinaire. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.